avec ma partie mode et accessoires du hall de Londres. Si vous voulez voir la première partie qui est dédiée aux cosmétiques, qui est un petit peu longue d'ailleurs, je m'excuse, elle sera en barre d'infos, donc n'hésitez pas à la retrouver si vous voulez la voir et que vous ne l'avez pas vue. Aujourd'hui on va parler vêtements, accessoires. Et voilà, donc j'ai principalement acheté chez Primark parce que puisque finalement j'ai pas fait tout ce que je voulais faire. Une journée c'est vraiment trop court, ça passe beaucoup trop vite. Donc, je me suis pris deux paires de chaussures et je vais commencer avec, avec ça en fait. Donc les premières ce sont des bottes fourrées, imitation un petit peu hug. Moi j'appelle ça des hug même si je sais que ce n'est pas des vrais. Hein. À ce prix là on peut pas dire que ce soit des vrais, ça c'est sûr. Et donc elles sont toutes noires, donc totalement fourrées, sont super chaudes. Et elles sont un petit peu en laine, un petit peu matelassée. Et il y a plein de petits fils argentés comme ça. Elles sont super mignonnes. Je les ai mises là-bas et elles sont très très chaudes. Elles sont très confortables. Et elles sont pas très hautes. Donc du coup, ça fait un joli pied, je trouve. Enfin, sur moi, j'aime beaucoup. Et ensuite, j'ai craqué quand j'ai vu celle-ci. Parce que je voulais trop des chaussures avec des motifs de dentelle. Et là, j'étais comblée. Donc j'ai pris celle-ci. Donc de devant, ça va. Mais sur le côté... il y a la dentelle en crochet en fait, c'est beige, c'est de la dentelle en crochet et je trouve ça super féminin. C'est le détail qui change tout parce qu'après voilà, c'est une boots assez basique en camel. Elles étaient aussi en grise, elles étaient vraiment très belles. C'est un gris chiné un petit peu super beau, mais bon voilà, la valise elle n'est pas extensible non plus malheureusement. Donc j'ai opté pour celle-ci et avec la dentelle, voilà, c'est des deux côtés forcément et c'est super joli. Et c'était, combien je les ai payées? J'ai pas gardé les étiquettes, je suis désolée, mais bon, Primark, si vous connaissez, vous savez à quel point c'est vraiment pas cher. Ça devait être entre 10 et 15 euros la paire de chaussures. Ensuite, là, c'est le gros coup de cœur, j'ai trop hâte de vous montrer. Oh, quand j'ai vu, j'ai dit mon dieu, mon dieu, mon dieu. Il est, pour moi, j'ai trouvé trop mignon, à un prix imbattable. Il était 2 livres, donc voilà, on réfléchit pas. Et c'est un bonnet. Non franchement il est pas trop mignon, c'est des pandas, enfin c'est un panda avec des pompons. Vous avez les yeux, vous avez un strass sur les yeux et il est super chaud. Et là-bas en fait, je vous explique vite fait, quand je suis arrivée le vendredi, je me suis dit allez je vais pas me charger, je vais partir limite à vide pour la valise. Je vais pas trop me couvrir, ça va aller, j'avais regardé la météo, c'était à peu près la même température qu'ici. Sauf que le truc que j'avais pas anticipé c'était le vent. Et effectivement le vent de là-bas, j'avais oublié à quel point il était glacial. Et quand je suis arrivée là-bas, mais j'étais frigorifiée, on est allé au marché de Covent Garden. Et là mais ça a été fatal, j'étais un glaçon quoi. Mais moi qui suis pas frileuse, j'étais un glaçon ambulant. J'avais les mains glacées, j'avais froid, le froid s'incrustait partout. J'avais le nez, je pense, tout rouge, enfin, j'étais glacée. Du coup, on a dit on va à Primark, on va acheter des vêtements plus chauds. Bah, ça, c'est juste pas possible. J'avais vraiment pas, j'étais pas du tout équipée et on l'était pas du tout. Donc, on est allé à Primark. Et je me suis dit, il faut que je me trouve un bonnet, des gants. Tant pis, je vais payer les gants là-bas, pas cher. J'en ai trouvé une paire, pareil, à 1 ou 2 livres. Voilà, ils étaient un petit peu moches, c'était hyper simple, mais ils m'ont sauvé la mise là-bas. Donc je vais pas vous le montrer, mais le bonnet par contre, gros coup de cœur et je l'aurais pris dans tous les cas. Il est comme ça et attendez de voir dessus, ça tue. Donc voilà dessus ce que ça donne. Ah, la caméra, elle enlève les pompons, c'est le plus joli. Je sais pas si vous voyez. Ah, il est trop mignon. Il est mignon, donc ça fait un peu kitsch, on est d'accord, mais là-bas le kitsch, personne vous regarde quoi. Vous sortez en pyjama avec un panda sur la tête. C'est normal. Donc du coup là-bas je me suis sentie totalement normale. Est-ce que je vais assumer de sortir avec ça ici? Ben, j'ai envie de dire que oui, ben, je le trouve tellement mignon. Mais là-bas le kitsch, ben, ça tue pas, c'est clair. Parce que même avec tous les pulls de Noël et tout qu'il y avait, mais hyper kitsch à souhait, même moi qui adore ça, je me suis dit non quand même pas, j'assumerai jamais. Et là-bas ça partait comme des petits vins, mais ils ont l'esprit de Noël, c'est cool. Et le panda, ben voilà, trop contente et j'en suis folle. Et dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez mon panda, parce que je sais pas si je suis la seule, mais ouais non franchement j'ai kiffé mon panda, j'ai kiffé le porter et je vais adorer le porter ici, c'est sûr. Ensuite, beaucoup plus basique, j'ai juste pris des collants en forme de leggings, vous savez que vous pouvez mettre... par-dessous, une tunique, un pull un peu blouse et tout, c'est super bien, c'est chaud et j'ai opté pour deux couleurs. La première, c'est un genre de top clair, ce genre de truc qui va avec tout et c'était 4 livres le leggings, enfin leggings collant et j'ai pris le même en fait en crème, c'est un blanc cassé. Je vous dis, moi qui adore Noël, j'étais juste dans mon élément, mais complet. Et à Primark, mais genre, il y avait des rennes partout, des flocons partout, des bonhommes de neige partout. Enfin, c'était hyper kitsch, comme je vous le dis, mais c'était tellement mignon.
J'ai craqué quoi, le chat. Oh mon dieu, c'est trop mignon ça, Sylvie, elle voyait ça et tout. J'avais trop envie de prendre des photos et puis il y a tellement de monde que j'ai pas réussi à avoir une seule photo portable. Donc j'étais vraiment dégoûtée, mais bien sûr j'ai pris des trucs. Et au rayon pyjama, je crois que c'est le truc le plus marrant, vraiment le plus marrant à Primark. Donc le premier que j'ai pris, ce sont des rennes et des petits cœurs. Il est bleu marine et je sais pas si vous voyez, mais c'est, vous savez, les trucs, la matière c'est vraiment très chaud. C'est pas de la polaire, mais c'est vraiment tout chaud, tout doux, c'est le pyjama parfait pour la saison. Et voilà, après il est basique, il est simple. Il est comme ces images. Alors le motif, j'ai adoré, il y en avait des tonnes, il y avait des Pères Noël, des bonhommes de neige, il y avait quoi. Il y avait d'autres rennes rouges, mais il n'y avait plus ma taille, et celui-là était vraiment sympa. Mais bon, allez, on va se calmer. Et le deuxième, c'est des petits bonhommes de neige et des flocons, et il est gris, et je vous ai pas dit, mais c'était 10 livres. Ensuite, autre coup de cœur à Primark, et là, comme je vous disais, les pulls kitsch de Noël, il y en avait, mais toute une allée limite, il y en avait de toutes sortes, il y en avait à tous les niveaux de kitsch. J'ai pris le plus soft, ouais, parce que franchement il est soft, hein, il est vraiment portable. Je l'ai mis là-bas d'ailleurs parce qu'il m'a fait hyper chaud, mais je l'ai carrément supporté. Il est vraiment super joli, je le mettrai ici sans souci. Donc par contre il est hyper hyper grand, hein. c'est un jumper en fait, donc c'est le truc que vous portez vraiment de façon très loose, et limite ça avec un leggings parce que ça couvre vraiment bien, c'est assez long, donc c'est chouette. Donc c'est I love, ouais, Santa, c'est ça. Donc j'espère que vous voyez parce que là je ne vous vois plus, j'y vais à l'aveugle. Il est pas trop mignon, donc il est simple, hein. Il est bleu marine avec des pois, ouais, ces espèces de pois. Alors le sigle, je trouve que ça fait absolument tout. Et après il est simple, il est comme ça. Voilà, il est vraiment super grand, mais il est d'une douceur, il est trop 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 doux. C'est le pull doudou par excellence, c'est le pull de Noël. J'ai pris un autre pull, avant-dernier pull, avant-dernier truc chez Primark, non, pas tout ça pour l'avant-dernier. C'est celui-ci, voilà, moi qui adore aussi les chouettes et les hiboux. Oui, j'aime beaucoup les trucs animaliers, je sais pas pourquoi, ne me demandez pas, j'aime ça. Donc là, il est crème, tout simple, sauf que vous avez une petite chouette toute mignonne, noire. Et il y a des espèces de petits brillants, des petits fils argentés qui rendent le truc encore plus mignon. Et après, bon, bah, il est tout simple. Ensuite, j'ai pris celui-ci, puisqu'en fait, vu comme ça, sans plus, mais le mannequin, il y avait un mannequin qui le portait avec une écharpe un petit peu crème, en fait, comme les pâquerettes. Et ça a cassé, du coup, il est fait un peu trop fleuri, un petit peu too much, peut-être, pour certaines. Ça faisait super joli, comme j'ai une écharpe comme ça. Voilà. Donc, il est à motif pâquerette, c'est un pull noir avec des pâquerettes. Couleur crème, je vais y arriver, j'arrive plus à parler. Donc il est comme ceci, et vu comme ça, c'est clair qu'il faut pas charger, mais avec un pantalon noir, un leggings noir avec des hugs par exemple, une bonne grosse écharpe, et voilà, vous êtes paré, et c'est sympa quoi pour traîner. Dire, moi je vais pas l'utiliser pour traîner, mais pour sortir. Mais voilà, bien accessoirisé, je trouve c'est cool. Enfin, accessoirisé, c'est un grand mot, mais surtout avec une bonne écharpe, ça casse l'effet trop fleuri. Et puis voilà, et encore une fois, il est sympa niveau qualité, il est tout doux, il pique pas. Enfin, je suis contente. Donc c'est tout pour les vêtements, on va passer plutôt aux accessoires. Et chez Primark, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mon dieu, il me le faut, j'ai vu une dame passer avec. Et j'ai cherché partout, et par chance, il en restait un. Un seul, donc bah, j'ai foncé dessus. C'est une trousse pour mettre l'iPad. Et donc là, c'est le motif souris, tout doré avec les petites oreilles. Après, derrière, il est simple. Mais après, je pense que c'est super fragile, c'est clair, au niveau des petites pastilles. Mais pour le prix, par exemple, on ne pouvait pas trop en demander non plus. C'était 4 livres, je crois. J'ai vu tellement de trucs ce jour-là que je ne sais plus, mais 4 ou 6 livres grand max, mais je crois que c'était 4 livres. Donc voilà, et c'est vraiment parfait quoi, pour voyager et tout, on met la tablette, votre tablette dedans, et c'est cool. Même pour une idée cadeau, je trouve ça vraiment très très sympa. Et là je le dis parce que je vous mets dans la confidence, parce qu'elle ne regardera pas, mais j'en ai pris une aussi à ma mère, parce que je compte lui prendre une tablette pour Noël, et j'en ai trouvé une autre que je vais vous montrer. Voilà, donc à ma mère, je lui ai pris celle-ci, elle est matelassée, elle est beige avec un petit nœud noir. Si vous entendez miauler, c'est Bella. Et donc après pareil, vous glissez votre tablette dedans, et je trouvais trop trop mignonne, et du coup je l'ai pris pour Noël parce que je vais prendre une tablette. Et donc voilà, tant qu'à faire, autant vous la montrer. Il y avait plusieurs modèles, moi j'ai pris le souris, mais il y avait aussi la version panda. Et non, je n'ai pas pris le panda, bah, je le trouvais un peu plus fade, et que franchement j'aimais vraiment les couleurs de celle-ci, je la trouve trop mignonne. Donc voilà, c'est tout pour chez Primark. À Victoria's Secret, je me suis pris un pull, je me disais qu'il me manquait un truc dans la gamme pink.
Et je m'étais promis de pas acheter de vêtements chez eux, puisqu'ils ne sont pas donnés, mais la dernière fois j'en avais acheté deux, un ou deux je crois. Et la qualité est juste démentielle, parce que c'est le truc le plus confortable à porter du monde. Donc, et puis voilà, j'ai réfléchi et je me dis que finalement c'est pas vraiment plus cher qu'un pull chez Mango ou chez Zara, et la qualité est démentielle. Donc après, même s'il est simple, il est cool. Bref, j'ai pris celui-ci, donc dans un dumping, vous avez écrit pink en gros. Vous ne le verriez pas, et donc j'ai pris en noir. Il est en gris et en blanc cassé. Et vous avez le détail en fait au niveau des épaules, c'est un motif un petit peu léopard, mais un petit peu délavé. Voilà, et après, bon, il est simple. Il est noir et c'est un jumper aussi. Il est assez loose. Il est super confortable. Et je l'ai mis hier pour le retour. Et autant vous dire que j'avais l'impression d'être dans un. Donc les derniers trucs, bien sûr, c'est des bijoux, vous me connaissez. J'ai pris chez Forever 21. Ah oui, je suis bête. Chez Forever 21, j'ai pris aussi l'espèce de pull que je porte aujourd'hui, qui est juste tout simple. C'est une couleur, c'est juste la couleur que j'ai bien aimée, et l'espèce de matière. C'est marrant, on dirait une maille, mais un petit peu plus originale. Il est pas super chaud, mais il est loose et j'ai craqué pour la couleur, notamment les colliers que j'ai achetés. Et j'ai surtout craqué sur les colliers, et il y en avait une tonne la dernière fois, je me rappelle, j'ai pris que des boucles, et là j'ai pris que des colliers. Donc c'est parti. Donc le premier, je cherchais un prune, puisque j'adore le prune, et j'ai aucun collier prune, je vous assure. Et j'en cherchais un là-bas, et il y en avait un autre, mais la couleur était pas prune, c'était un violet, mais un petit peu moche. Donc j'ai opté pour celui-ci, et il est canon. C'est le prune parfait, c'est vraiment le prune hyper classe. Donc évidemment avec ça, ça va pas aller, mais ça vous donne une idée à peu près de ce que ça donne. Donc c'est vraiment le collier assez imposant. Je vais voir au pire s'il me plaît pas, s'il est trop long, j'en enlèverai celle-ci, mais j'ai peur que ça casse un petit peu le collier. Donc on verra, mais je pense pas le faire. Enfin, bref, voilà le premier, il était 12,90€. Second, dans le même style, mais ils sont vraiment sublimes les colliers. Enfin, les deux là, les deux premiers, la qualité est incroyable. Ils sont lourds, ils sont trop bien. Ils sont vraiment super beaux. Pour le prix, ça valait le coup. J'ai pris celui-ci, et là, c'est une couleur que j'ai pas du tout. C'est vraiment la couleur beige rosé. C'est pratiquement la même couleur que mon vernis d'ailleurs. Super, super belle. Donc voilà ce qu'il donne. C'est des trucs encore assez imposants, mais j'aime bien ce genre de collier, comme vous le savez. Il était aussi 12,90€. Je pense que chez Zara, vous avez le même style de collier à presque 20€. Donc pour moi, c'est assez équitable, je trouve. Et ensuite, j'étais en mode pâquerette. Donc Lucie, si tu passes par là, ma copine qui était allemande là-bas, elle a bien rigolé parce que j'ai craqué sur tous les colliers qui avaient des pâquerettes. Je sais pas pourquoi, mais voilà. J'ai des périodes, ça ne s'explique pas comme ça. Et je les ai craqués sur tous. Donc j'en ai proposé pas mal après, mais j'ai pris notamment celui-ci. Je trouvais vraiment mignon, c'est des fleurs. Il était 10,90€, et donc ce sont des fleurs pêche avec des petits strass au milieu et une chaîne dorée. Et il fait son effet. J'en cherchais un comme ça, un petit peu en relief. Et bien écoutez, j'ai trouvé. Et le tout dernier qui est plus simple, qui était à 6,90€, des fleurs encore, mais plus fin. Et je pense pour le printemps et l'été, il est super mignon, même actuellement. Hein, de toute façon, c'est pas ce genre de truc qui va avec pas mal de choses. Et donc voilà, c'est tout. Je réfléchis, j'espère que j'ai rien oublié. Donc c'est tout pour mon haul de Londres, c'est tout pour la partie beauté, accessoires, vêtements, tout ça, tout ce que j'ai acheté. Et j'ai passé un super moment, donc c'est ce qu'il faut retenir. Et bien sûr, comme promis, il y avait un petit concours à la fin du premier haul. Et donc là, c'est la deuxième et dernière partie. Je vous ai fait une autre petite poche remplie de 5 produits que j'ai trouvé là-bas. Donc le premier, c'est, je prends au hasard, un vernis Barry M de la gamme Matte. Et j'ai trouvé super beau. C'est un rouge bordeaux, c'est le Crush. Une encre à lèvres à effet mat de chez Sleek, donc c'est la gamme Matte Me, et donc c'est le rouge, ah non c'est pas le rouge celui-ci, parce que le rouge n'y était plus, et j'avais pris celui-ci, et il était vraiment très similaire. C'est le Party Pink, et c'est un espèce de corail rouge très joli, un petit peu coquelicot, super mignon, donc j'espère qu'il vous plaira, qu'il plaira à la gagnante en tout cas. J'ai pris un blush collection 2000, ben, je l'ai trouvé trop mignon. Moi je le possède également et je le trouve super joli, je l'avais déjà. C'est le numéro 2, c'est le blush à l'écheuse. Bien sûr, deux produits Soap & Glory que vous pourrez compléter puisque l'un va avec l'autre, plus ou moins. Puisqu'il y a l'exfoliant qui est mon préféré, donc c'est le Scrub M & Leave M.
de Soap & Glory. Et pour hydrater, par la suite, je vous ai pris le beurre corporel, toujours de chez Soap & Glory. Voilà, écoutez, j'espère vraiment que ça vous aura plu ce haul. Et je vous dis à bientôt pour des vidéos maintenant plus normales. Plein de bisous et bye.